recette aujourd'hui est une recette purement marque. C'est la tangia. Bon, alors voilà que tu l'as. Les jarrets de bœuf, cumin, safran, l'ail, citron confit, un peu d'huile d'olive, semaine, l'eau et bien sûr une jarre. Et maintenant, on va la cuire dans la cendre pendant 6 heures. Allez, on va goûter. طبق مشغول على اليوم نزرع فيها الحوت او سيخفنا البزار سكين جبير الخرقوم والملح وتيخفنا المفاشة مقطعة او البصلة مقطعة وطريف تعربي وتيخفنا شوية تعربي هادشي كلو غادي نخلطوه ها هو السكسو تاعنا موجود كفاية و الصوص بون ابيتي Salam alaikum, Eid Mubarak Saïd. Aujourd'hui, je vais préparer un plat national apprécié par tout le monde. Baddaz au poulet beldi et aux saveurs d'huile d'argan. C'est un couscous de maïs, ou de la semoule de maïs très fine, du poulet beldi. Pour les épices, il nous faut du gingembre, du poivre, du curcuma, du sel. Il y en a d'autres ingrédients qui sont indispensables pour avoir un bon couscous, comme un bouquet de persil, du piment, du semelle. Il nous faut aussi de l'huile d'olive. Et pour aromatiser, il nous faut de l'huile d'argan. Dans un couscousier, on va mettre du poulet. J'ai déposé les légumes et le poulet. Je vais arroser avec l'huile d'argan.
ça sent bon. Voilà le couscous. Sahab Raha.